Good morgen. Allez, Idan, les chutes aujourd'hui, le Mishmat, Richard, Ron, Ben Fortune, Mazal, Claude, Israël, Ben Fortune, Mazal. Si vous souhaitez, vous aussi, des une prochaine étude du Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions le Seret Betsa, Perigdalet, Mishnah. Hey, En Chauvrin et Acheres, Ve En Chotrin et Aniyar, Litzlot, Bomaliach, Ve En Gorfin, Tanur, Ve Chiraim, Aval, Mechabshin, Ve En Makifin, Shte Chaviot, Lishpot, Alien, et Agdera, Ve En Somchin, et Agdera, Baba Kaat, Ve En Badelet, ואין מנהיגין את הבהמה במקל ביום טוב. רבי אלעזר ורבי שמעון מתיר. משנה כי בפרלה, הפרזן, סיור דה אקסיון, כאילו נה, המם דה ריאליזה לרסקום ופר קוויר כלכו שוז, וכי סוירו אינטרדיט פנדן יום טוב. זאת אומרת, היום טוב הוא תלמוד, תלמוד קוויזיני, על הדיפרנס דה שבת הוא תלמוד קוויזיני, היום טוב תלמוד קוויזיני פור אוטיליזה, פור מנג'ה פנדן יום טוב. סופנדן, il y a quelques actions qui sont interdites. C'est tout ce qui sont les marchirines que tu pouvais faire depuis la veille. Tout ce qui est prêt de marchir, c'est ce qui va te permettre de cuire. C'est-à-dire, premier cas, par exemple, enchorine et acheres. Tu n'as pas le droit de casser de l'argile. Alors, tel que c'est expliqué dans le Tosot Yom Tov, au nom de Rashi, on parle qu'en fait, lorsqu'on veut faire cuire du poisson sur le feu, il y a la grille sur le feu. Si on met le poisson directement, la grille, elle va cramer le poisson. Pour ne pas qu'elle le crame, ils avaient l'usage de couper des petits bouts d'argile et de les disposer de manière à ce que le poisson, il va reposer sur l'argile, il va prendre le feu, mais sans, il va chauffer, mais sans cramer. D'accord? Eh bien, la Michelin me dit, ben, tu sais quoi, tu n'as pas le droit de couper ces petits bouts d'argile parce que cette fois-ci, t'es pas en train de cuisiner au moment où tu coupes l'argile. Tu es en train de préparer le fait que tu vas cuisiner. Préparer le fait, le nécessaire pour la cuisson, ça n'a pas été permis pendant Yom Tov, surtout si c'est des choses que tu pouvais. Il y a une certaine marloquette, on aurait mieux d'Achramim. Mais une chose de certain, c'est tout ce que tu pouvais faire depuis la veille, alors tu n'auras pas le droit de le faire pendant Yom Tov. En l'occurrence, couper tes petits bouts d'argile, tu n'auras plus le droit de le faire. Ok? Ensuite, deuxième cas, c'est Ve'en Chotrin et Aniyar, Litzlot Bo Maniyar. Et tu ne pourras pas non plus couper le papier pour griller le maniyar, c'est du poisson salé. Je ne sais pas exactement comment ils faisaient leur poisson fumé. Mais en tout cas, tel que c'est rapporté dans, je ne sais plus, ouais, dans le Barthanora cette fois-ci, eh bien, je ne sais pas comment était leur papier, quel papier, ils prenaient un papier, ils mettaient dedans de l'huile, ils mettaient le poisson dedans, poisson salé, et ils le mettaient sur le feu. Et du coup, il fallait couper le papier. Ce n'était pas juste un pliage, il fallait le plier, le fixer, le couper. Et donc, dans ce cas-là, de nouveau, tu es en train de fabriquer un ustensile à Yom Tov. Même principe, si tu as utilisé de l'aluminium pour fabriquer. Non, on parle même le simple. Oui, c'est pas la peine de former le. Sans forger. Le simple fait de couper le papier. Le simple fait de couper le papier en une mesure bien définie pour que le poisson il va avoir une forme, pour que ça fasse une sorte de récipient comme ça. Il y a ici un interdit de fabriquer un ustensile à Yom Tov. De nouveau, et ça, je te le permets pas. On te le permet depuis avant Yom Tov. Mais. Ça permet de cuisiner à Yom Tov, mais pas de faire toutes les melachot nécessaires pour ensuite pouvoir cuisiner ensuite. D'accord? À titre indicatif, je te permets d'allumer du bois. Je ne vais pas te permettre d'abattre un arbre pour aller allumer le bois. C'est trop loin. Je te permets de la dernière action. D'accord? Ve engorfin tanur ve chiraim. Alors là, ça devient un petit peu délicat. Aval mechabshin. Igrof tanur ve chiraim, ça veut dire que tu va pousser toutes les cendres. Ça, c'est les grof tanour et kiraim. Le tanour, c'est deux sortes de fourneaux, tanour ou kiraim. En hébreu moderne, le tanour, c'est le four, et kiraim, c'est les plaques de cuisson. Et c'est réellement comme à l'époque, en fait, sauf qu'à l'époque, tout était chauffé au charbon, mais en fait, c'est très simple. Il y avait le tanour, c'était quelque chose que tu faisais entrer dedans, et kiraim, c'était une sorte de cocotte, où il y avait dedans du feu, et au-dessus, tu mettais ta casserole. Vraiment comme à notre époque, le plaque de cuisson. Et il y a un moment où il y a. Alors là, ça devient délicat comment expliquer exactement. La Michal me dit, tu n'auras pas le droit de pousser les cendres. Ou grof, c'est de pousser. Même en hébreu moderne d'ailleurs on dit. Quand on est goref avec un balai, avec un goumi, on tire de l'eau. D'accord? Alors, la Michal, maintenant, comment l'expliquer exactement? Il y a sur ça deux manières d'expliquer. Je préfère utiliser celle du Tiferet Israël cette fois-ci. Qui explique qu'en fait c'est un problème de mouktsé, c'est-à-dire des cendres. Tant que c'est du charbon, tu
le droit de les manipuler, de les utiliser, mais dès que tu as fini de les utiliser, alors maintenant tu n'as plus le droit de jouer avec, c'est descendre, ça devient moksé. C'est une première session d'interprétation. Mais le Barthénois, il propose, selon Rashi, j'ai du mal à comprendre de nouveau le cas, je ne vois pas exactement cette réalité, mais c'est que ça, je ne sais pas d'où ça tombe, mais des fois il y a des bouts de tite, des bouts de mortier qui vont tomber sur le four et qui vont se fixer au sol et que ça dérange maintenant. Et tu as envie de pousser. Le problème, c'est comme c'est tombé et ça s'est fixé, ça a fabriqué, ça a abîmé le clic. Le clic s'est détérioré. Et puis maintenant, repousser maintenant ça, le gratter, le décoller, tu vas, t'es en train de refabriquer un ustensile. Comme ça, c'est expliqué apparemment dans le Barthénois. Mais par contre, même si je te permets pas de le faire, je te permets de faire autre chose, c'est de m'échapchine. Si toutefois, tu as les cendres maintenant, qu'une fois que tu as fini de tout, de faire cuire, tu as les cendres qui vont un peu de partout, tu as le droit de les aplanir. Je sais pas quel est l'intérêt de le faire. En tout cas, si tu veux l'aplanir, ça améliore la cuisson apparemment, tu auras le droit de le faire. Ok? Ve'en makifin shtei chaviyot lishpot alein ha tagdira. Alors là, attention. Tu veux faire cuire une plaque de cuisson et un feu en dessous. T'as pas de plaque de cuisson. T'as allumé un feu, t'as une marmite à mettre, t'as pas de grille, moyen très précaire. Alors là, il y a une solution apparemment simple. Tu amènes deux tonneaux. Et entre les deux tonneaux, tu vas poser, petit tonneau, hein, tu poses dessus ta casserole entre les deux, et tu as le feu en dessous qui va chauffer en dessous. Bonne idée, non? Et bien, tu n'as pas le droit de faire fabriquer ça pendant une tov. Alors, j'y rapporte parce que ça ressemble. C'est un problème de bonnet, de construire. Midera banane. Ça ressemble comme si tu es en train de construire un dispositif. D'accord? Comme si tu mets ta ken, tu fabriques un dispositif. Rachid, il précise plus, c'est en train de fabriquer une forme de tente, en fait. Tu as fabriqué quelque chose avec des piliers, une tente, c'est à soi. Ok. Et encore, en babaka'at, on n'aura pas le droit de caler l'akdera, le chaudron, avec une baka'at, avec un bout de bois. Soit elle est bancale, elle a le chaudron qui est en rond. Vechen la même chose aussi avec une porte qui t'as envie de la bloquer, en prenant cette fois-ci une baka'at. Alors, baka'at, c'est un bout de. Un coupeau de bois. Pour pouvoir allumer ton fourneau, on te permet de manipuler du charbon, alors que ce n'est pas un ustensile. On te permet de manipuler du bois, même si ce n'est pas un ustensile, et même de la paille. On en parlera même dans la prochaine Mishnah de la paille plus longuement. Je te permets certes de manipuler, mais je te permets de manipuler que pour allumer ton feu. Mais cependant, tu n'as pas le droit de l'utiliser pour en tant qu'ustensile, parce que ce n'est pas un ustensile. Il y a un grand problème de Mouktsé dans Shabbat, premièrement. On va commencer peut-être par Shabbat. Ce qui n'a pas un statut d'ustensile utilisable pour en faire des choses, mais que c'est un combustible, ça n'a pas un statut d'ustensile, ça devient Mouktsé Mahmat Goufo. À inclure aussi dans ça toutes sortes de terre, de sable, de tout ce qui n'a pas un statut d'ustensile. En l'occurrence, le charbon, il a aussi ce même problème, c'est que c'est Mouktsé Mahmat Goufo. Il n'y a aucune utilisation. À Shabbat, tu n'as pas le droit de l'utiliser. C'est plus grave de déplacer ça que de déplacer un stylo. Un stylo, c'est un ustensile qui a une fonction à Sourah. Si tu as besoin de sa place, tu as le droit de le pousser pendant Shabbat. Tu as besoin de sa place. Tu veux l'utiliser pour te gratter la tête, tu peux l'utiliser. Parce que c'est soit Goufo, soit Mekomo. Ce qui est Mouktsé Mahmat Goufo, un charbon qui est posé, tu n'as aucun moyen de le déplacer. Ok? Ça, c'était donc maintenant, en l'occurrence, à Yom Tov, je te permets certes d'utiliser le charbon en tant que combustible, mais en dehors du domaine d'utilisation du combustible, l'utiliser en tant qu'un ustensile pour te gratter le dos, ou plus simplement pour caler quelque chose, tu n'auras pas le droit de l'utiliser. Ok? C'est pas un ustensile. C'est Mouktsé. Ben Manigin, un autre dernier sujet. Ben Manigin et Abema Bamakel Beyom Tov. Sujet qui n'a aucun rapport, je ne sais pas ce que ça fait ici. Personne n'a soulevé la question, je crois. Mais. Ouais. On n'aura pas le droit, pendant Yom Tov, de déplacer, de conduire un animal dans la rue. D'accord? Et pourquoi? C'est un manigim, c'est. Alors, je ne sais pas si tu la prends par la laisse et tu la tires dans la rue. Tu n'auras pas le droit de la tirer dans la rue. Parce que. Nirek Kemolichalachouk, Khalashou, qui dit le Barthénois. Tu as l'air comme si tu vas partir la vendre au marché. Donc, c'est interdit. Tu as le droit de marcher dans la rue avec elle qui te suit, mais en tout cas, tu n'as pas le droit de la tirer, de la conduire avec le bâton. Ça devient comme un ouvda d'échol. D'accord? Il y a maintenant Rabbi Lazar Berabi Shimon, matière, et Rabbi Lazar Berabi Shimon permet, lui, de tirer, déplacer l'animal de la sorte pendant Yom Tov. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Vesalah.